Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Parfum pour un nouvel épisode de Dredge. J'ai fait un petit aller-retour, j'ai pas trouvé le poisson que je voulais machin ni rien. Bon, par contre j'ai trouvé un mulet chevelu, parce que je me rappelle qu'on avait pêché je crois en revenant dans le sud, donc je suis allé faire un tour dans le sud vite fait et tout. Mais vraiment vite fait, j'ai pas trouvé donc voilà. Le mulet chevelu des mèches entremêlées s'agite hors des branchies de ce petit poisson, elle s'active à l'unisson le déplaçant contre son gré. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Fin de l'épisode, hein. Bisous, bisous, laissez un commentaire, un pouce bleu, hein, tout ça, tout ça. Ah, attends, la madame. Eh, madame, faut faire avancer la recherche, madame. Merci, madame. C'est quoi, madame? Je te prends ça au cas où je te croiserai un truc à faire péter. Ce qui m'étonnerait pas trop. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est. Voilà, la tech. La tech. Le moteur. Plus de 3. On est bien. On va dormir, on va voyager de jour, on est pas là pour faire les malins. On est juste là pour la quête. Non, c'est parce que je le cherche. Alors ici, il se passe des choses. De mort dans votre région n'empêche les gars, posez-vous des questions. Des plaques d'identité, des dog tags. Ok. Des bouts de bois quoi. En vrai, faisons le tour de ce petit bout d'île là, voir un peu ce qu'il y a. Ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire. Oh, de la tech! La recherche avance encore plus vite. Allez, boum. Encore un. C'est chiant les copains, hein. Pas très... Ah, on peut dire que ce sont des épaves, hein. J'ai pas plus de rôle en stock. J'aimerais bien, mais je peux pas. Je vais repasser sous son nez juste pour le faire chier, c'est gratuit. C'est gratuit, on profite. Je sais pas si on va trouver dans cette région là du revenant. Ah, je vois un petit port là-bas. Ça m'intéresse. Ça on a déjà pêché je crois. Hein. On a déjà pêché. Allons voir le quai. Qui est ici. Ça va être encore pour un campement. Je vais me mettre comme ça. Merci. Campement. Vous apercevez un campement de vieux poissons sont suspendus à une broche au-dessus du feu qui n'a jamais été allumée. Une pile de tissu est regroupée à la base du grand arbre voisin. Examinez le poisson sur la broche. Du poisson pourri pend sur la broche. Quelqu'un avait préparé de quoi faire un feu en dessous. La personne a dû partir précipitamment. Inspectez le tas de tissu. Il y a un tas de haillons à la base d'un arbre. Quelqu'un a dormi ici. Les bouts de tissu sont recouverts de copeaux d'écorce. Des symboles sont gravés dans le tronc de l'arbre dessus. Il y a trois ensembles de symboles distincts. Regardez le premier ensemble. Il y a un symbole de livre sous une vague, puis une flèche orientée vers le haut. Un nuage flotte au-dessus. Ok. Deuxième. Cinq symboles inconnus sont inscrits dans les coins d'un pentagramme. La silhouette d'une personne est dessinée au milieu. Troisième ensemble, un symbole de livre est dessiné au-dessus d'une vague, une flèche orientée vers le bas, part du livre et traverse la vague. Ah. Alors, sûrement son intérêt quelque part à un moment donné. Bon, on peut faire passer la nuit. Petite nuit tranquille. Ok. Allez, je suis large, hein. Je suis large sur les nuits. Hein. Quand même un mec hyper sympa. Fais des petites nights posées, mon gars.
c'est un poisson, on s'en fout. Un crocodile? Moi, je peux pas pêcher le crocodile. Ah non, mais ça m'intéresse pas. Alors, je sais pas si les champignons sont éclatables ou causent des dommages. On va tenter de les éviter tant qu'on peut. Même si je sens bien qu'à un moment donné, je vais m'en taper un. Parcourons l'anneau extérieur. Ok, on revient sur la sortie. Donc on va s'engouffrer un peu dedans. Ça, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas, mais ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ça? Un tube de mortier. Auquel est attaché le viseur. Ça. Un carpi grimaçant. Ouh là. Qu'est-ce que t'es toi? Ces mâchoires musclées poussent ses dents fêlées les unes contre les autres, déchirant aussi ses chairs plus molles. D'accord. On va néanmoins te repositionner hein, pour permettre à d'autres de se stocker ici. Hein. Tac tac tac, c'est quoi, regarde, hop. On va même ranger le filet. Alors, hop, filet rangé. Une bouteille avec un message. Ajouté dans la cabine du capitaine. Capitaine. J'ai un message, capitaine. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai froid. Je ne m'attends pas à ce qu'il écrive. Il me suffit de savoir qu'il pense à moi de temps en temps. Les lignes suivantes ont coulé. Il doit revenir. D'autres tâches rages suivent. Je lui ai écrit une autre lettre. Ce sera la dernière. C'est clair comme de l'eau de roche. Et je cherche un poisson revenant. Ok. Moi, peut-être jamais. Me balader sur les extérieurs des confins des trucs. Bon, il faudrait que j'aille au milieu, hein. Mais ouais, faudrait que j'aille au milieu en vrai. Allez. Faut aller en plein milieu. Ah, faisons péter des trucs. C'est de la dynamite. Voilà. Hop. En fait, je pense qu'on crée plus des raccourcis qu'autre chose. Un reçu abîmé. Goldsmith et fils, numéro 27, la petite moelle, 22 décembre 1926. Encaissement d'une somme de $50.00 en échange d'un collier en argent avec un pendentif serti d'émeraude. Note supplémentaire, encaissement de $3 supplémentaires pour la gravure personnalisée au dos du pendentif. Le client doit le récupérer demain, le 23 décembre. Les mots suivants doivent être gravés pour J, mon étoile filante. Ok. C'est pour Josiane, quoi. Ok, ça roule pour nous. Enfin, c'est plutôt ça navigue pour nous. J'adore les bonnes grosses blagues. Ah, des avions américains un peu partout. Génial. Ah, un homme imposant vous regarde à travers la fumée d'un feu de camp en taillant paresseusement un bout de bois. Il se lève en vous voyant accoster. Un étranger. Et à voir votre tête, je dirais que vous avez fait connaissance avec les monstres locaux. Asseyez-vous. Vous le rejoignez près du feu. J'essaie de les chasser de cette maudite jungle depuis qu'on a atterri ici. Les gars les appelaient les dévoreurs d'âmes parce qu'ils s'en prennent à notre esprit. Et ils nous ont fait voir des choses. Et faire des choses. Sexuelles. Je vous demanderai de bien vouloir m'aider à partir d'ici. Mais pas avant d'avoir vengé mon escadron. J'écoute. J'ai rencontré quelques sauveteurs potentiels au fil des années. Mais aucun d'entre eux n'a voulu m'aider dans mon combat. Et vous? Ouais, je peux vous aider, bien sûr. Hein. Je suis toujours le mec sympa, quand même. Il se passe des tas de trucs chelous, mais moi, je suis sympa. Je savais que vous seriez partant. Ça se voit. Bon, écoutez. Tout d'abord, il faut retrouver les pièces du mortier de mon escadron. Il va l'utiliser pour bombarder les monstres. D'autres avions se sont crashés au nord et à l'est d'ici. Je vais indiquer les sites potentiels sur votre carte. Vous pouvez aller voir ce qu'on peut y récupérer. J'ai trouvé les pièces du mortier. Vous avez trouvé un élément, mais il manque encore une pièce. Vous y êtes presque, continuez de chercher. Comment les voir en dommageant? J'ai attaché quelques-unes de leurs plaques d'identité sur l'arbre derrière moi. Ça me semblait approprié.
Mais je n'ai que les plaques de ceux qui... Écoutez, je n'ai jamais retrouvé tout leur corps. Si vous trouvez une de leurs plaques d'identité, je l'accrocherai à l'arbre avec les autres. J'ai un certain nombre de badges mécaniques qui devraient... de gadgets mécaniques qui devraient vous être utiles. Tenez, prenez celui-ci là. Ça me fait plaisir. Je vous récompenserai pour chaque plaque que vous rapporterez. Et bah j'ai trouvé des plaques d'identité. Montrez-moi. Ah mais non, mais du coup... Oui. Si, excuse-moi. Hop là. Tiens, regarde. Tata. Merci. Je vais les suspendre à l'arbre. Tenez, comme promis. Oui. Monsieur... excusez-moi. Monsieur, vous régalez la recherche. Hein. Je vais pouvoir casser des moteurs. Hein. Expert des moteurs, faites des recherches sur tous les moteurs. Succès déverrouillé, bien sûr. Bien sûr. Bravo, mon bon monsieur. Hein. Vous êtes costaud. Hein. Vous êtes solide, Addy Snake. Parce que solide Snake. Ah, je cherche pas plus loin. Y a pas... alors, il m'a marqué dégâts sur mon... Ah, bah, y en a juste un que j'ai pas vu. Bah, je vais aller voir... On va voir celui que j'ai pas vu. Mais la go fast, je qui est par là, hein, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. On va par là. Oui. Hein. Là. Excellent. La base du flingue. Boum! Le dog tag. Ah non! Même pas. Même pas. Il y a R en fait. Z, jette-moi ça. Pourri. Pas pourri lui, mais il est pas frais. Pas passer par là. Pourrait... Ah oui, la pierre, ouais. Puis, placer ma main sur la pierre froide. La pierre ne réagit pas. Le pillotin. Ah. Bah, notre avion. Bien, mais votre chasse est enterrée dans le sable. Regardez l'intérieur. Oh là là, la recherche avance. Oh là là. Oh là là, la vitesse de cette recherche et de ce développement, mais... C'est une dinguerie, hein. C'est des vraies planches ou c'est des débris? Des vraies planches. Hop. Je pense qu'on a plus qu'à aller voir notre petit pote le pilote. C'est des poissons, ça? Ok, j'ai cassé cassé des trucs. On va arrêter de faire le con. Enfin, le con, je faisais même pas le con en plus, mais bon. Nous sommes très clairement accidentés. Ah. Il a fermé l'accès. Du coup, c'est chiant. Je vais faire le tour pour aller chercher le gars. Là. Oh bah champignon, ça met des stops. Je peux aller voir mon gars ou t'as tout bloqué? Ah mais il a tout bloqué là. Une partie de votre prise va pourrir. Ah c'est les champignons qui font tout pourrir. Ah les champignons font tout pourrir. Alors, c'est bien mignon, mais il est en train de m'enfermer le mec. Et je peux plus rien faire. Mais c'est pas là que je veux aller, moi. Attends. Si, par là. Exactement par là que je veux aller. Hop, 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 première à droite. Ah, il y a un truc qui s'est glissé à bord de mon navire. Et ils sont en train de tout me détruire, là. Mais de toute façon, tout est pourri. Jette-moi ça. Voilà.
Faudrait juste voir si on peut pêcher une anguille super spéciale, je crois que... Je sais pas si on l'a eu. Et vu que j'ai pas de mémoire, bah si jamais on l'a eu, bah désolé, parce que je vais la repêcher, évidemment. Hop là. La recherche avance. Le panier à crabe ou le filet? Bon, il me reste une pièce pour ça. Ma réserve, il n'y a pas de... Si, je peux déposer ça. Hop. Pilote. J'ai trouvé une plaque. Voici une plaque, mon copain. Merci. La recherche avance. Les filets. Travail terminé. Expert des filets, bien sûr. Voilà. J'ai trouvé des pièces de mortier. Tout y est. Bon, pendant que j'assemble le mortier, vous pouvez passer à la phase suivante du plan. Vous avez peut-être remarqué des engins dans les lagons aux alentours. Ce sont des pièges que j'ai fabriqués contre les dévoreurs d'hommes. Il ne vous reste plus qu'à les appâter. Quand ils seront piégés, je pourrai leur tirer dessus avec notre mortier et on pourra leur dire adieu au cauchemar aussi. Je vais indiquer l'emplacement des pièges sur votre carte. Compris ? Compris. Et maintenant, on doit fabriquer 3 appâts spéciaux à partir de différentes combinaisons de poissons. Parlons de l'appât pour le premier piège. Ici, il faut 3 poissons de la région. Merde. D'accord. Le deuxième appât. Poisson, chat, machin. Ok. Et le troisième appât. Allez, tiens. Le troisième, il est fait. Mettez ça dans un piège. Chouette. Le numéro 3. C'est tout pour l'instant. Hop hop hop. Sortez ici. Le premier piège, je crois que c'est par là, puis à droite. Ouais, du coup, faut pêcher des trucs et des machins. Ah, petit truc sympa ou pas, hein? Le tabassage. Mettre l'appât dedans. J'aurais mieux de m'éloigner. Il a bien niqué sa mère. Bien niqué sa merde. Voilà. Un brochet des mers légendaires. Le brochet, c'est pas trop... Pas trop ce qu'on cherche, mais... Ça loot quelque chose? Oui. À l'intérieur se trouve le cadavre déchiqueté d'un dévoreur d'âmes. Le pilote attend une preuve de votre réussite. Bout de chair, morceau pâle et ensanglanté à l'odeur métallique et âcre. Voilà. Ça disparaît sous l'eau. Excellent. Faut que je ramasse des petits poissons. Hop. En tout genre. Genre en tout genre. Ah, il y en a déjà un autre là. Mais laissez-moi respirer à un moment donné. Ah, c'est lui, on en cherche. Il m'en faut au moins un. Je vais sortir de là. Le marchand, il est de par là, je crois. Ah non, il est de l'autre côté. Mais ça, on en a déjà. Non, mais ça, on en a déjà. Oh. Ah merde. Récup. On peut pas tout prendre. Bon, bah, on reviendra. On reviendra pour le reste. Poisson-chat, c'est de nuit. Et il me demande le... Ah putain, arrête de vouloir me scotcher sur ce côté-là, c'est terrible. Ah. Vas-y, au moins je dirais qu'on est dans le bon sens. Chantier naval, hop, prêt partout. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Bah, j'ai besoin que tu me vendes un peu tout. Ça, là.
Ah, tu sais quoi, je vais garder celui que j'ai, hop, de ce côté-là. La réserve. Tu peux faire monter ça. La recherche avance. La recherche avance. Plus que les filets. Chantier naval, du coup. Voilà. Si tu te reprends en explosif, au pire, il ira à la réserve à l'occasion. Tac. Pas les filets, les paniers. Les casiers à crabe. Il faut aussi les petits poissons là. Les petits poissons, mais je crois qu'effectivement ça se trouve qu'à l'extérieur. Genre, vous, vous êtes des petits poissons? Vous êtes pas du tout des petits poissons. D'ailleurs, hop. Oui, comme ça. Bon, j'aurais pu utiliser le repousse le mal d'ailleurs contre ces ennemis. Champignonien là, champignoniesque. Mais j'ai pas fait. Voilà. Hein. Hop, hop. Voilà. Non, parce qu'ils prennent beaucoup de place les deux crabes sous-en. Bon, on va re-rentrer là-dedans. Surtout qu'on arrive en nuit. On arrive en nuit, il va falloir du poisson chais. D'ailleurs, on va pouvoir essayer ça du coup. Allez hop. Et si je fais ça, ça repousse tes. Non. Et rien du tout. Oh, ça fait R. Ah, ça, genre, c'est mon faux. Il faut du petit poisson comme ça. Je crois qu'il m'en faut genre 3. Ouais, alors. Peut-être pas un chelou. Hop, ça également. Hop, on va aller voir l'autre là. On va lui refourguer de la poiscaille. Anguille, c'est bon, on a déjà donné. Il me faut du poisson chat. Ah, pas 1 et 2. Normalement, il me faut. J'ai un cadavre de créature à vous montrer. Voyons voir. Vous tendez le lambeau de chair au pilote, il est presque méconnaissable, mais vous savez tous deux qu'il ne peut provenir que d'une créature. De la lame de son couteau, il pique la chair caoutchouteuse, il semble satisfait. Oui, c'est bien l'un des monstres. On avance enfin, mais on est loin du compte. Pour l'appât, voyons voir. Trois appâts spéciaux. Donc le premier. Le premier, il te faut. Tac. Pas cabine. Il te faut tac, into, tac, tac. Ça fera l'affaire. Paf! I got the appa numéro 1. Et le numéro 2, s'il te plaît. Tac, ta. Et il faut juste que j'aille chercher le poisson chat. Prenez quand vous aurez le reste. Ouais. Le poisson chat. Le poisson chat, mais... bon, normalement, je sais où on peut en trouver. Mais faut pas que les armes me bloquent. Que les racines m'empêchent d'aller là où je veux aller. Si vous voulez aller par là, moi. Hop. C'était là que j'en avais croisé. Le poisson chat. Et le poisson chat. Laisse fermer par ici. C'est encore des anguilles. Ah, poisson chat. Bah voilà. On va se repêcher un petit pour la pêche, quoi. Pour le sport, comme qui dirait l'autre. Voilà. Il y en a encore. Il y en a un stock ici. Laisse béton. Si on m'avait dit, je serais venu avec un deuxième chalutier. Ah, mobilette. Mobilette. Oh, ma mobilette. Par là. Hop, on passe sous l'arche. Hop, on stationne en latéral côté. Zblu, le pilote. Tac, dans le piège. Parlons du deuxième appât. Un poisson chat. Le saut numéro 2. Voilà, mais c'est l'usine, hein. C'est l'usine.
C'est l'usine. Sur la carte, c'est marqué. En plus, c'est marqué, quoi. Mais comme si j'étais un gros touriste. Des ans exposés, là. On va aller les chercher. On va même passer par les extérieurs, vraiment comme le dernier des touristes. Hein. Bon, on allait un peu vite en plus. Hop là. Hop, marche au poisson. Viens-moi tout ça. Allez. C'est que 9h du mat. Non mais le niveau de tryhard est incroyable. Zigzag, zigzag. Ouais, zigzag, zigzag. Ah non, ils ont fermé. Mais putain, mais... Mais vous êtes sérieux? Mais vous sortez d'où là, comme ça? Bon, c'est retombé. Tant pis, je me suis fait taper dessus sur des choses qui arrivent. Pour le poisson, hyper vite. Vous êtes chiant, mais comment j'y vais, moi, à votre piège à la con là? T'es chiant. Là, il y a un truc. Allô. Ouh, youpi. Cool. C'est cool, Raoul. Là, il doit y en avoir un qui traîne. Coucou le monstre. Est-ce que tu m'entends? Coucou le monstre. Passez la pas dans le piège. Bon appétit, ma gueule. Ah oui, c'était là qu'intervenait le coup de mortier que j'avais pas vu la première fois. Intéressant. Hop là. Bon voilà, ça disparaît sous l'eau. Allez, Terminados, hein. Suivant. Cool. Cool, mon Raoul. Voilà, ça, c'est juste de la planche. À ce stade du jeu, ça n'intéresse plus personne, bien évidemment. Mais arrête avec tes conneries, hein. Attends, c'était le piège nord. Ah, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le piège sud. Ah, on aurait pu faire... Vas-y, je vais faire le tour. Je vais faire le tour par là où on n'est pas passé encore. Aïe. Donc là, tout droit. On va y arriver. Ah, petite dynamite. Ok, parce que soit t'es obligé de rentrer par les trois accès extérieurs, soit effectivement tu dynamites et tu peux circuler à l'intérieur. C'est du génius. Sauf que, bah, il m'en faut plus. Oui, c'était pour m'amuser. J'ai pas assez de dynamite. Un peu dégoûté. Bon, allez, on fait tout le tour. Putain! Oh! Mais merde! Oh! Et tout pété. Juste parce que je suis trop fast. Et trop furious pour le jeu. Ah! Tu m'emmerdes. J'ai pété deux monstres sur trois et encore plus de racines qu'avant. Non mais j'hallucine. Racine de merde, elle sert à rien. Un poisson chat. Ouais, non, c'est bon. Intéresse personne. Je suis sur la côte, il ne peut rien m'arriver. Ok. Je pourrais y accéder par là. Mais je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de faire tout le tour, parce que vu le niveau de coopérativité du jeu... Voilà, c'est ça. J'ai fait tout le tour. Et j'utilise même pas le boost. Il va falloir commencer à ranger ce filet, non? Bon, ça va encore. Faut encore essayer d'entrer un truc. Ça, je l'avais vu, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah oui, c'est le moche qu'on connaît. Le moche qu'on connaît déjà 50 fois, là. Il n'intéresse personne. Alors, personne. Quoi? Faut que je dynamite aussi pour passer ici? Non, mais les mecs. Franchement,
Ils m'ont vraiment pas coopératif, hein. Ouais, ils ont fermé, là. Mais ils sont chiants. Vu celui-là, hein. Non, s'empare de votre esprit, un homme s'enfuit à travers les arbres, les yeux injectés de sang et remplis de terreur. Il se trouve dans une impasse acculée par les eaux troubles et son poursuivant. Il se retourne, une lance en bois vole et trouve sa cible. Ah, c'est une vision, mais du survivant. De Ken, le survivant de l'enfer. Tout droit. Bon, alors cette région là, attention, hein, ce petit coin là, on l'a pas visité du tout. Voilà. Genre, c'est la première fois que je mets les pieds dedans. Et très probablement la dernière fois, puisqu'on va le dynamiter. Allez, salut! Hop là! Allez, passe-moi ça là-dedans. Allez, du coup, on ramène-toi. Ah, mais il est en train de défoncer mon bateau, l'autre con! Je vous laisse profiter, excusez-moi. Voilà. Hop, on va à la pêche au cadavre. Paf. Emballer, c'est pesé. Il ne nous reste plus qu'à aller voir le petit pote. Ah, il y a encore des branchages. Ça veut dire que c'est pas fini. On disait que c'est quand même un peu simple, cette histoire. Bon, allez, on va zigzagouiller là-dedans. Zig and zag. Allez, il y a encore des racines qui vivent leur vie. Chiant, ça. Zig and zag. Hop. Allez vous faire enculer, hein. Fabriquer. Non, mais c'est bon. Elle me dit c'est un objectif de quête. Un de plus, d'après mes calculs, il en reste un. Vous en avez encore un. Vous laissez tomber l'énorme carcasse en sangloter au pied du pilote. Ses yeux se remplissent d'un plaisir sadique. Il se planche et planche au couteau dans la charbole. Il s'ouvre sous la lame, révélant un éclat métallique. Avec un bruit écœurant, il extirpe l'objet de la chair et de la créature et le tient devant ses yeux. C'est un collier qui brille dans le 1, voilà. Eh bien, la chance nous sourit enfin. Ça devrait vous rapporter une belle somme auprès d'un bon collectionneur. Tenez, prenez-le. Sa chaîne. Les vagues veillent sur elle. Ok. C'est là d'une cadavre et prend un air mélancolique. Et maintenant, c'est tout, j'imagine. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je suis pas sûr. Je pensais vous demander de m'escorter loin de cet endroit, mais c'est un peu devenu mon nouveau foyer. Je n'ai pas envie de laisser mes caméras d'ici. Je vais rester encore un peu. Pendant ce temps, je peux vous fabriquer un appât spécial. Ça devrait vous aider pour pêcher. Vous pourriez me fabriquer un appât? Tenez, c'est ce qui restait de l'autre appât qu'on avait fait. Ok. Ok, capacité débloquée, appât. Bien maintenant, on va pouvoir faire des frais. D'abord, j'ai besoin que vous me rapportiez des poissons. N'importe quelle espèce fera l'affaire, mais plus vous m'en rapporterez, plus je pourrai vous faire d'appât. Si je fais ça, ça... Ah non, ça les met dans ma réserve. Ah oui, c'est un peu... Il y a des petites... voilà. Petites sensibleries comme ça, c'est un peu dommage. Ouais, vas-y, gaffe-toi. Bourre-toi de poiscaille si ça t'éclate. Si ça te dilate la rate, n'hésite pas. Ouais. Convertir. Oh ah oui, d'accord. Vers la réserve. Là, il y en a beaucoup. Ok, d'accord, ouais, c'est une machine à fabriquer des appâts, le gars, quoi. Merde. Enfin, flûte, je voulais dire, mais c'est ce que vous aviez entendu. Pas de grossièreté sur YouTube, jamais. Convertir. Vas-y, envoie. Paf, paf, paf. Ok, on a une tonne de... Il y a une tonne d'appâts. Je sais pas comment on s'en sert. Recherche. J'ai rien à craquer en recherche. J'ai pas de recherche, putain, je suis désespéré. Je suis désespéré de moi. Bon, sortons de cet endroit dans lequel nous sommes. Tirons-nous d'ici. Ah, les grands espaces marins où je peux naviguer à fond. Marche aux poissons.
je prends tout ça. Au passage, j'achète ça, je vais le caler à la réserve. Hop, je mets ça tout de suite à la réserve. Ça par contre, tu le vends, hein. Ça ne sert plus à rien, ça. Ça se vend, ça? On peut vendre à 5$ de Zappa? Pour moi, hein, ça me fait plaisir. Oui, non, fallait me réparer. Il y a des trous partout, hein. Voilà, merci, c'est gentil, c'est aimable à vous. Dans ma réserve aussi, j'aimerais faire remonter ça. Oula, c'est le bordel, c'est très bien. Je sens que ça n'a pas été rangé. Hop là. Oh. T'as du rangement quand même. Faisons semblant au moins, vite fait. T'as bien fait semblant. Voilà, alors, vraiment, j'ai fait. C'est presque convaincant. Voilà. On a tenté un truc, quoi. Bon, ça c'est bon. La recherche avance, bien sûr, la recherche. Boum. Expert des casiers. Travail terminé. Nous sommes donc un professionnel du casial. À partir de maintenant, je récupère mon casial, justement. Qui est là-bas. Hop. On le récupère. On se fait une TP maison. Oh, on avance vite en ce moment. Hein. On est loin des sessions de farm. Hein. Hop là. Mana en ruine. Qui a-t-il? Les mots que vous avez lus dans mon livre. Sujet de l'ancien maire. Mais je l'ai ta relique. Dis-moi. Mais je l'avais oublié dans mon coffre. Vous entrez dans la maison en tenant le collier orné. Le collectionneur le reconnaît presque sur le champ. Splendide découverte. Il me semble une... Il mérite une place de choix dans ma collection. Il écarte des documents sur une table poussiéreuse dont les coins sont tachés par la cire d'une bougie, puis il place soigneusement le collier. J'imagine que vous voulez une récompense en échange. Une fois encore, il ouvre le livre. Au fil de la lecture, de la poussière s'échappe de celui-ci. Vous vous sentez faible, mais vous êtes cloué sur place. Vos genoux sont prêts à lâcher. Capacité débloquée, atrophie. Lorsqu'il se tait, vous sentez le sang refluer dans vos jambes. Un étrange sentiment de pouvoir vous envahit. On y est presque. Il nous manque une chose. Ça ne me plaît pas, mais la plaine abyssale près de l'échine du diable serait l'endroit idéal. Essayez d'aller voir. Je vais indiquer un lieu sur votre carte. C'est là que vous pouvez commencer votre recherche. Autre chose? Non, il me tape, ça ira. Non, non, enlève-le, qu'on se tire d'ici. Bon. Échine du diable, donc le dernier coin des 7 enfers. Il y a des super moches à pêcher là-dedans. Allez, go. Ouais, un moche. Prends un petit poisson vite fait, quoi. Prends des petits poissons vite fait. Prends des petits poissons vite fait. Voilà, c'est bon. Poisson. Voilà, le poissonnier, hop, on démonte tout. Du coup, ça j'en ai plus besoin, il faut que j'aille voir directement la carpentière, vendre, voilà. Il va donc falloir que j'achète la version des enfers, les enfers, mais quel enfer, mais partout, place-moi ça ici. La réserve, elle est pleine de conneries, de cochonneries. Je peux aller voir le collectionneur pour nous débarrasser. Et puis, en vrai, je pense que je nous aurais assez embêtés. Atrophie, récupérez tous les poissons morts dans votre ligne de mire. Donc, portez. Non. Tout prendre. Ah ouais. C'était drôle. Tac. Attention. Oui, tout lui vendre, tout lui passer. Attends, attends, par contre, dans ma cale, j'ai vu un chelou. Voilà, ça c'est chelou. Ok. Je vais aller voir l'autre masse là-bas. Hop. Je peux déjà le mettre à la mer.
On n'en parlera plus jamais. Ok, ça, ça met quand même un certain temps. Ok, ce... Boum. Ben voilà. 66$. Et eh ben ça me paraît une bonne, un bon endroit pour terminer. Je vous remercie, c'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour Dredge. Je vous dis à la prochaine. Ciao.